persone che erano partite per la Siria. Sì, sì, lo so, due persone che hanno partito in Siria. E la cosa che sono sentito è che hanno arrivato una settimana fa. Dans le Coran, c'est marqué qu'on appelle les gens à la guerre. Non, on peut se défendre, mais pas frapper par la guerre peut être exploser. S'il vous plaît, arrêtez tout ça. Nous, on est en danger. Même nous, les musulmans, on est en danger. Monsieur Hussein, excusez-moi, juste une question. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas été interceptés dès leur retour en Syrie, de Syrie? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les gens. Les personnes qui se trouvent ici, on ne connaît pas leur histoire, leur pédigré de façon précise. C'est d'ailleurs les services d'enquête qui doivent... au niveau du parquet fédéral, qui doivent diligenter cette enquête pour pouvoir identifier d'où ils venaient, quelle était un peu l'histoire en quelque sorte, qu'est-ce qui était le cas en préparation. On a tout lieu de penser qu'il y avait une préparation d'un acte terroriste, mais je redis, nos services de police fédérale ont quand même drôlement bien travaillé pour pouvoir empêcher le pire, il faut pouvoir quand même le souligner. Donc voilà, n'allons pas trop vite pour dire qu'il s'agissait de Verviers et toi. De Verviers et toi, ben, parti en Syrie puis revenu, ben, tout ça ce sont des suppositions, je pense qu'il faut laisser faire l'enquête. À présent, il faut pouvoir retrouver le calme tout en renforçant le degré de vigilance et ça, nous y veillons tout particulièrement. One thing highlighted by the French authorities over the last few days has been the need for better coordination between police and security services across Europe. Poi a un certo punto vedere una cosa così non cioè... Quindi ci sono stati, diciamo, come delle bombe, qualcosa di sì, simile. Sì, 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 cioè bombe, ma proprio... voilà, il y a des djihadistes qui sont tués. Je suis désolé. Fait, non, il n'y a pas de désolé, moi je ne suis pas djihadiste. On montre l'enterrement des gens qui ont été tués par les djihadistes. Oui. Mais eux, on n'en parle même pas. On montre même pas. On n'a même pas de respect pour ces gens-là. Pourtant, c'est des humains. Oui, tout à fait. C'est pas juste. Mais dans quel sens? J'ai pas compris à peu près le début de votre phrase. Je parle dans le sens que, voilà, il y a eu deux tués. Oui, il y a eu deux tués aujourd'hui. Il y en a un qui est gravement blessé. Oui. C'est pas pour ça. Si moi j'en connais un, vous croyez que je vais parler à son enterrement? Bien sûr que je vais y aller. Oui, mais d'un côté, il ne faut pas non plus mêler djihadistes et musulmans, ça n'a rien à voir. L'islam n'appelle pas au djihad. S'il vous plaît, arrêtez. Montrez-moi une fois maintenant dans le Coran que Dieu il dit on demande la guerre. Dieu il dit plus le nombre paix que guerre. Non, mais pour revenir, que les djihadistes et les musulmans, ce n'est pas pareil. Djihadisme et djihadiste, c'est même pas pareil. Pour M et T. Je n'ai pas parlé de ça. Non, exprimez-vous, excusez-moi. Non, je n'ai pas parlé de ça. S'il vous plaît, vous êtes dans ma carte. Ça va. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que, bon, juste à côté de chez vous, effectivement, on a déjoué un éventuel attentat, en tout cas des terroristes présumés, tout par rapport à ce qui s'est passé dernièrement en France et autres? C'est quoi votre sentiment? C'est inquiétant. Maintenant, comme vous avez dit, on a déjoué un attentat. Nous, on se pose la question, déjouer l'attentat, oui. On a empêché des gens de faire un attentat, mais c'est des fois qu'à faire un attentat à la maison. Parce qu'on a pas mis tous les moyens en œuvre pour les arrêter, ça aurait été beaucoup plus productif. Et là, on aurait pu partir sur de bonnes bases et questionner les gens, savoir un peu ce qui se préparait. Ici, on va sur la paranoïa. Et on fait un climat de peur et on peut manipuler ça via les médias dans la manière qu'on veut. Et c'est ça qui est malheureux. Mais est-ce que vous pensez que justement ça va alimenter au final ce que veulent les djihadistes, en tout cas des présumés terroristes? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que aussi bien la police, les forces de l'ordre que la population est en stress. Hein, ça met un stress au niveau de la police. Et la police risque de devenir de plus en plus agressive suite à ce genre de climat. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Est-ce que vous pouvez nous faire le récit? À quelle heure? Il devait être entre 17h30 et 18h. Nos services ont été alertés parce qu'il y avait des coups de feu dans la ville. Ils sont sur place, ils ont appris que cette opération était en cours. Et je dirais que c'est presque à ça que se limitait notre cause dans l'opération. Que se passe-t-il encore pour l'instant sur le site? Pour l'instant, la police scientifique est à l'œuvre et on essaye de déterminer au maximum les circonstances et de trouver, de compléter les indices par rapport. Allez, merci tout le monde, maintenant vous passez sur la côté, c'est fini, allez, vous dégagez la voie, c'est gentil, merci, allez. Allora qua siamo proprio nel centro storico di Verviers.
Je reste là-dessus, vous l'avez déjà posé tout à l'heure. Ah non, c'est pas vous, enfin, vous l'avez posé tout à l'heure. Je reste sur la communication de la police fédérale. Donc, si vous avez des informations là-dessus au niveau de la communication de la police fédérale, je vous dirai bien tout ce qu'on a. Est-ce que vous ne savez pas ou est-ce que c'est pas à vous de le dire? Ça, c'est pas moi. Positif, djihadistes. Bon, mais pour nous Français qui ne connaissons pas bien Verdier, est-ce que vous pouvez nous décrire le quartier, ce quartier? Ce quartier ici, c'est un quartier centre-ville, hein, très proche de la gare centrale, très proche d'une sortie d'autoroute, très proche du centre-ville commercial, très proche du palais de justice. Il y a des écoles dans les environs, donc c'est vraiment un cœur de ville. Hein.